Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting aujourd'hui. Alors désolée, je vous ai laissé plusieurs jours sans vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. La raison, c'est que il y avait la rentrée scolaire. Et bon, moi j'ai plus d'enfants qui vont à l'école à mon âge. Mais j'avais mes petits-enfants qui rentraient à l'école et j'ai dû faire chauffer la machine à coudre pour refaire des masques parce que ils avaient que des masques jetables et ça m'embêtait. En parlant avec mon fils, même lui voulait acheter des masques en tissu. Et je lui ai dit, c'est pas la peine que tu en achètes, maman, elle va en faire. Parce que les masques jetables pour l'école, ça va finir par revenir cher. Donc, pendant 2-3 jours, j'ai fait de la couture. Voilà. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Et donc, j'ai fait des masques. Voilà. Pour mes petits-enfants. Et donc, voilà la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas, que j'ai pas fait de vidéo là pendant 2-3 jours. Donc, j'ai fait la vidéo. Alors, j'avais filmé la vidéo, hier. J'ai avancé sur mon kit, sur le grand kit, La femme et le tigre. À chaque fois, je dis le tigre, mais non, sur le kit, il y a deux tigres. Donc, c'est la femme et les tigres, normalement, je devrais dire. Donc, j'ai avancé. Là, ça y est, j'arrive au bout. Non, je ne suis pas encore au bout. J'arrive à l'avant-dernière ligne. Donc, je commence à voir le bout du kit. Voilà. Donc, j'espère bientôt l'avoir terminé. Là, je pense qu'aujourd'hui, je vais me remettre dessus pour avancer encore un peu plus. Et en plus, comme j'arrive dans les tigres, c'est intéressant parce que du coup, je découvre les tigres qui commencent à prendre forme. Et ça me plaît bien. Donc, j'ai pas de soucis. J'ai pas encore de soucis avec ce kit. Bon, sauf qu'il y a quelquefois du décalage avec les perles. Mais bon, là, je peux pas y faire grand-chose. Ça, c'est à la découpe des perles qui a des microns de millimètres qui sont pas toujours pareils, malheureusement. Là, c'est pas de la faute du vendeur, C'est la faute de l'usine qui les fabrique. Donc, lui en lui-même, il n'y peut rien. C'est pas lui qui découpe les perles. De toute façon, comme je dis, quand il sera au mur, quand je l'encadrerai, mais comme j'ai déjà dit, j'en ai pas mal encadré avant, une fois qu'il sera au mur, elle m'énerve, cette mèche. ça se verra plus, ou moins, beaucoup moins, voilà, parce que de toute façon, une fois que c'est au mur, après on n'a plus le nez dessus, donc même quand s'il y a des petits défauts, ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, c'est pas très très important. Sinon, je vais continuer aussi à avancer sur l'autre kit, sur la cascade. Donc ça, vous verrez une autre vidéo, comme d'habitude, sur l'avancement. Ce week-end, puisque là on est week-end, je vais vous faire une vidéo d'un produit que j'ai acheté chez Action. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez, ce sera la surprise. je vais d'abord l'essayer pour voir s'il n'y a pas de problème. Je vous ferai une vidéo. Donc, qu'il y ait un problème ou pas de problème, de toute façon, je vous ferai une vidéo. Puisque comme ça, je vous verrai, je vous montrerai quand même le problème qu'il y a, s'il y en a un. Et s'il n'y en a pas, vous verrez comment ça fonctionne. J'y suis allée ce matin. Je pensais trouver un deuxième article qui est sorti aussi.
Mais bon, mon action ne l'avait pas encore. Donc, dès qu'ils l'ont, ben, j'irai le chercher. Ce sera l'occasion de vous refaire une vidéo. Voilà. De toute façon, l'action ce matin, je n'ai pris que ça, à part des choses pour Fifi. Alors, j'ai pris chez pour Fifi, je vais essayer chez Action. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà pris, parce que bon, les chats, vous savez que la litière, je la fais très régulièrement, mais ça a toujours une odeur impossible. Et j'achète pas les litières. J'ai déjà pris les litières qui coûtent cher. Et puis là, bon, j'étais repartie sur de la litière ordinaire. Mais ça a une odeur, ce truc, c'est épouvantable une fois qu'elle va dedans. Et là, j'ai trouvé à Action la litière à la lavande. Alors, j'ai ouvert le paquet. Déjà, ça sent pas la lavande. Et ils vendent des pots. C'est comme des salières, vous savez. Vous savez, les grosses salières en carton, là. Et c'est de la poudre de lavande. Ça, par contre, ça sent super, super bon, la lavande. Et donc, il faut mettre ça avant la litière. Donc, j'essaye ça. On verra. Donc, il me fallait ça pour Fifi. Donc, j'ai pris pour essayer, pour voir si c'est mieux là-bas à Action que de prendre dans le supermarché. Si c'est mieux, bah, je continuerai à prendre là. Bon, je suppose que la litière, vous vous en foutez, hein. Sauf pour celles qui ont des chats. Mais enfin, la poudre qu'on met avant la litière, elle sent, bah alors, la lavande super bonne. Hein. Donc, j'espère que ce sera beaucoup mieux. Voilà. Parce que, bah, comme je dis, hein, malgré qu'on nettoie très régulièrement, bah, il y a toujours une odeur. Hein. Les chats, c'est ça, mais bon. De toute façon, je m'en fous, j'aime mes animaux, même s'ils font un caca qui pue, je m'en fiche. Voilà. Nous aussi, hein, on fait des popos qui puent. Hein. Donc, et on se met un petit coup de lavande après avec la bombe. Hein. Voilà. voilà. Bon, j'ai fait ma blague du jour. Donc là, je vais vous laisser visionner la vidéo sur mon diamond painting, sur la suite. Bon, ma mèche commence à m'embêter. Il y a pas, va falloir que je vais chez le coiffeur aussi. Et puis on se retrouve donc très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et on n'oublie pas, le concours est toujours en ligne. Donc, n'oubliez pas de participer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il est en ligne jusqu'au 15 septembre, minuit. À minuit une, c'est trop tard. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bon visionnage. Thank you.
Thank you.